Anita Fonsi. Ok, on va faire le point. Mais déjà, je vais offrir 50 000 à Roxane. Yeah! Sinon j'allais demander, mais je vois que tu es très jeune, mais j'adore ton audace, il faut continuer comme ça, sûrement tu vas avoir du succès. Merci. Et donc, c'est très simple, je ne vais pas aller très loin, je ne vais pas être trop long, puisque je sais que vous avez passé beaucoup de temps ici, je vais juste prendre 10 minutes de votre temps pour expliquer un peu comment est-ce que notre activité marche et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous devez la démarrer. En prenant exemple même sur moi-même mon cas. Vous savez, tous ceux qui viennent démarrer avec cette entreprise, il y a une chose qu'on a en commun. On était à un point A et puis ce point A-là nous dérangeait. On n'était pas à l'aise et on était fatigué de rester à ce point-là. Et donc on a dit, on va faire un effort sur nous de pouvoir nous déplacer pour aller à un autre point. Quoique peut-être on ne maîtrise pas bien le point, mais où on était et puis on connaît là. Tellement ça nous énervait. Tellement ça nous fatiguait, tellement ça nous lassait, on dit ça suffit. Parce que celui qui est devant vous aujourd'hui, c'est vrai, je me suis présenté en tant qu'ambassadeur de l'entreprise. Aujourd'hui, tout va bien, mais ça n'a pas commencé comme ça. Puisque pour être à ce niveau-là aujourd'hui, ça fait quand même 12 ans que je travaille avec cette entreprise-là. Depuis ce matin, je suis en train de sillonner tous les bureaux d'Abidjan. Je suis arrivé à Cocody, ensuite je suis arrivé à Yokougon. De Yokougon, je suis arrivé à Trècheville, de Trècheville, je suis arrivé à Kumasi. Et on m'a dit que, ah, il y a des invités qui sont encore là. Je dis, tiens, on va pouvoir quand même filer. Comme aujourd'hui, on est dimanche, il n'y a pas trop d'embouteillage. Pour venir au moins passer quelques temps avec vous. Et donc, je suis arrivé à ce niveau-là. Pas par magie, mais tout a commencé dès le départ. J'étais au chômage lorsqu'on me présentait cette opportunité. Ça faisait près de 5 ans que je cherchais du boulot. Pour vous dire que j'étais mal à l'aise, j'étais fatigué de la place où j'étais. J'ai eu des diplômes quand même assez satisfaisants. J'ai un bac plus 6, MBA, option management marketing. Et donc, si avec ça, en train de chercher boulot, j'ai pas pu avoir grand chose. Et c'est comme ça qu'un de mes amis m'a appelé. Il m'a dit, tiens, voici ce que je te propose. Il faut voir si ça t'intéresse et on va pouvoir commencer ensemble. C'est vrai, on commence toujours par l'achat d'un produit. Ça, je vous le conseille. On va toujours choisir un produit et puis on va commencer. Mais au niveau où j'étais en 2009, je m'en foutais de produits. Excusez-moi du terme, mais je m'en foutais éperdument de produits. Parce que peu importe le produit que j'allais acheter à cette époque, ça n'allait pas me rendre riche. Aucun produit ne peut vous rendre riche. Fouillez bien dans vos maisons. Vous avez peut-être des splits, vous avez des appareils électroménagers, vos parents même peut-être en ont acheté plusieurs. Mais dites-moi un seul produit. Aujourd'hui, les gens cherchent à payer même iPhone 13. Montrez-moi un seul produit que vous avez acheté et ça vous a rendu riche. Il n'y en a pas. J'ai juste acheté ce produit-là ce jour, en 2009, pour pouvoir avoir un ticket d'accès à comment on peut faire pour être riche. Parce que ce business, lorsqu'on m'a présenté les chiffres que vous avez vus aujourd'hui, j'ai dit, si c'est possible, ça n'a qu'à prendre 5 ans, ça n'a qu'à prendre 10 ans, ça n'a qu'à prendre 15 ans, ça n'a qu'à prendre 20 ans. La richesse, peu importe à quel moment ça vient. Mais dès que ça vient, tu as un putain de sourire comme le mien. Et donc, mon problème, c'est pas quand ça va venir. Mon problème, c'est ça va venir, enfin. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous a montré, c'est rien. Aujourd'hui, vous voyez mon poignet, comment ça brille. Vous voyez comment ça brille? Je ne pouvais même pas imaginer. On me présentait cette opportunité, on m'a dit qu'il y avait des montres qui coûtaient 600 000, 700 000. Pour moi, c'était trop. J'avais jamais pu imaginer qu'une montre même puisse avoir ce prix-là. Parce que pour moi, les montres les moins chères, c'était les Swatch. Vous connaissez les Swatch, non? 40 000, 50 000. C'était mon standard. Aujourd'hui, la montre que je porte est à plus de 10 millions de francs CFA. Ça fait le prix de votre maison, de rêve. Parce que, vous savez, moi-même, je suis choqué souvent. Le jour où j'ai acheté cette montre, j'ai dit waouh. C'est vrai, on peut imaginer l'argent, mais on ne peut pas imaginer ce niveau-là. Parce qu'aller jeter 10 millions dans une montre, c'est que vraiment tu es rassasié. C'est ça, même. On n'a pas besoin d'avoir une montre pour avoir de l'heure. Bravo. On n'a pas besoin d'avoir une montre pour avoir l'heure. Aujourd'hui, tous nos téléphones ont l'heure. Et donc, pourquoi aujourd'hui mettre cet argent dans une montre?
C'est juste pour dire qu'il y a l'argent. Et quand il y a l'argent, vous ne devez pas être gêné. Excusez-moi si l'argent vous gêne. C'est que vous n'êtes pas fait pour cette activité-là. Ce business, c'est pour des gens qui veulent devenir riches, qui veulent gagner beaucoup d'argent, qui veulent gagner tellement d'argent que peu importe le problème qui va se passer, se dresser devant eux, ou bien se dresser même devant le membre, ou bien un membre de leur famille, s'ils l'aiment, c'est fini, il est sauvé. J'ai commencé avec ma maman, parce qu'il n'y a personne que j'aime sur cette terre-là que ma maman. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est à la retraite, qui n'a jamais pu rouler d'une voiture, elle prenait bus pour aller au travail pendant ses 30 ans de service. Aujourd'hui, elle vit dans sa, elle roule dans sa grosse 4x4 et elle a au moins deux maisons à Cocody, à l'heure où je vous parle. Une même à Beaumont, parce que ce business, ça donne beaucoup d'argent. Je ne suis pas venu ici pour vous expliquer comment vous allez avoir vos deux. Quand vous allez démarrer ce business, tous ceux qui veulent avoir du succès, vous n'avez qu'à les inviter où on est. Et vous leur présentez juste ça. Vous leur montrez de quoi il s'agit. Quelqu'un qui veut avoir du succès, lorsqu'il voit ça, il ne dort pas. Le 21 février, je n'ai pas oublié cette date-là, 21 février 2009, c'est là qu'on m'a présenté cette opportunité. Je n'ai pas dormi. Et le 23 février, c'est là que j'ai démarré. Trois jours après. Aujourd'hui, après 12 ans, voici le résultat. Je suis avec ma belle épouse qui est assise au fond. Elle aussi est dans l'activité, vu qu'on s'est salué pour Fana, s'il te plaît, lève-toi un peu. Très bien. Viens, s'il te plaît. Vous savez, celle-là, c'est mon épouse. Et je suis toujours heureux de la présenter à qui veut. Elle est belle, non? Vous savez, elle aime tellement les bonnes choses. En fait, c'est elle-même qui a fait et puis j'ai pris la montre. Puis, puisque elle-même elle a pris aussi. Donc ça fait deux dans la famille. Mais elle aime tellement les bonnes choses. Non, dans, la maison, ça fait pas deux dans la famille, ça fait plus. Ah. Plus ça dans la maison. Et dans la famille. Dans la famille, à qui d'autre là? À mon frère. Ah oui, il y a son frère aussi qui a pris aussi une montre comme ça. Et sa montre fait 4 fois le prix de nous, notre montre. Oui. C'est pas celle-là, c'est pas elle. Je vais vous dire, vous ne pouvez pas imaginer. Souvent, certaines personnes viennent et puis disent, oh, la femme là, elle est trop l'argent, elle est trop matérialiste. Je dis, c'est parce que tu n'as pas les moyens. Sinon, quand tu as une femme qui est belle et qui est comme Salif Obana, pour pouvoir avoir ça, s'il vous plaît, ce business c'est le moyen. Je connais pas un business où tu vas investir en moins de 500 000. Ça fait 12 ans que moi j'ai acheté mon produit. Chérie, s'il te plaît, tu peux aller t'asseoir. Faut pas que j'aille fatiguer tes belles jambes. Merci à tout le monde. Hein? Allez, vas-y, vas-y. Ça fait 12 ans que moi j'ai acheté mon produit. C'est juste te sacrifier, réunir cette somme et tu t'achètes ton ticket pour rentrer dans le monde où tu vas te faire des sous. Depuis ce jour en train de travailler, tout ce qui vient, c'est des revenus chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Ouais. Les revenus sont en train de venir. Aujourd'hui, mon réseau est un peu partout, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit dans toute l'Afrique, que ce soit dans le Moyen-Orient, que ce soit en Europe, que ce soit même aux États-Unis, le réseau est partout. Mon network travaille 24 heures sur 24. Chaque semaine, il y a des achats. Mais ça commence par pour toi là. Il faut penser à toi. Ça n'a rien à voir avec deux personnes, ça n'a rien à voir avec cinq personnes, ça n'a rien à voir avec 10 personnes. Tant qu'il y a des gens qui veulent changer leur situation sur cette terre-là, forcément ton business va se développer. J'étais à un point où j'étais mal à l'aise. Aujourd'hui, j'ai bougé, je suis dans un point où je suis à l'aise. Mais je sais très bien qu'il y en a plein comme ça qui sont de ce côté-là. Le point A. Si vous êtes de ce côté-là, s'il vous plaît, levez votre main. N'ayez pas honte. Levez votre main. Levez, n'ayez pas honte. Ce n'est pas une honte. Il faut l'assumer. Comme ma soeur a dit, Roxane, il faut l'assumer. Et merci, vous pouvez baisser les bras et décider maintenant de bouger pour aller de l'avant. Mais il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on dise la vérité. Notre activité, on parle beaucoup là-dessus. Notre activité, vous allez entendre plein de choses. Depuis que j'ai commencé cette activité, je n'ai jamais vu un travail où les gens bavardent. C'est anac, c'est ceci, cela, c'est secte.
c'est je ne sais pas quoi. Ils ont dit tous les noms. Ils ont dit tous les noms. Mais nous sommes là. Tout à l'heure, j'ai causé avec ma femme et je disais, tu vois comment la vie est bizarre. Le premier ministre Patrick Achim, il n'était pas encore premier ministre, il travaille dans une entreprise. Personne ne le connaissait. Il était premier ministre, ça fait juste peut-être, je ne sais pas combien de mois. Tchon, on l'attrape en même temps. On dit, oui, lui, là, il est en train de faire je ne sais pas quoi. Société écran de je ne sais pas quoi. Il dit, ah, c'est qu'il a commencé à atteindre le niveau des grands. Si on ne parle pas encore de toi, tu n'es pas encore grand. Mm-hmm. On va parler de nous. Vous allez rentrer dans une entreprise où on parle. Mais sachez que c'est le bon endroit. Yes. Parce que c'est seulement où il y a les grands hommes que des gens peuvent parler, qui peuvent écrire dans les journaux, qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais ces personnes-là, sur leur table à manger, il y a tout ce qu'ils veulent. Ils dorment comme ils veulent. Ils dorment quand ils veulent. Ils ont des lits de prince. Ils ont des splits qui massent leur corps. Ils ont des familles qui voyagent partout où ils veulent. Mais pour ça, il faut accepter qu'on parle un peu de toi. Tu ne peux pas être riche dans l'ombre. Si c'est ça qui vous fait peur, il n'y a pas de problème. Tu restes là, tu vends tomates ou bien tu fais kabim, on ne va jamais parler de toi. Mais une fois que tu rentres dans ce domaine où tu prends ce piédestal et tu dis oui, je suis prêt, il n'y a pas de problème, on va parler de toi. Mais c'est quand tu es sûr qu'on parle de toi, peut-être tu te sens isolé, tu as mal. Nous sommes ensemble. Lorsqu'on parle de quelqu'un, on parle de nous tous. On assume ça ensemble, on encaisse ça ensemble et on trouve la solution pour régler ça ensemble. C'est ce qui m'a permis d'être à ce niveau-là aujourd'hui. Et c'est ce qui va vous permettre de continuer. Ce business, nous sommes encore là. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera toujours là. Et aujourd'hui, nous avons emboîté le pas. Nous sommes ce qu'on appelle les exemples de succès. Mais ce n'est que le début. Quand je regarde ces beaux visages, ces jeunes gens, c'est vrai, souvent nos papas, nos mamans viennent nous accompagner là-dedans. Mais c'est de nous qu'il s'agit. Si vous êtes prêts, allez vous débrouiller comme vous voulez. Mais trouvez cet argent-là et venez nous rejoindre. Votre vie aujourd'hui, votre avenir, vous pouvez l'acheter à 500 000. Je ne sais pas dans quel endroit, quelle opportunité vous allez avoir où tu peux acheter ton avenir à 500 000. J'ai vu certains de mes amis qui sont allés passer des concours où ils ont payé bien plus. C'est vrai, aujourd'hui, ils ont des salaires, mais ils ne sont pas riches. Ils gèrent des factures. La vie, ce n'est pas gérer des factures. Les gars, il y a trop de bons points. Quand est-ce que tu vas décider d'aller à Dubaï? Quand est-ce que je me souviens, quand le Covid n'était pas encore arrivé, je suis allé avec des amis de l'entreprise, bien sûr. Nous sommes allés à Barcelone pour regarder Messi jouer là-bas. Juste un week-end. Chacun a pris son avion business class et on allait regarder Messi. Tu as déjà vu Messi vis-à-vis? Ah, c'est magnifique. Et ce jour-là, on a gagné 2-1. Mais, heureusement, 12 ans avant, je n'avais jamais pris l'avion. Je n'avais jamais connu même passeport. C'est grâce à cette activité que j'ai pu faire tout ça. Les gars, c'est un autre monde. N'attendez pas d'avoir des proches, des amis qui vont vous parler de ça. Les regarder puis dire, va d'abord. Mes amis m'ont dit, va d'abord. Aujourd'hui, je suis tellement loin que leur coup de fil, j'ai du mal même à répondre. Parce que je suis trop loin pour vous. Commencez avec ceux qui sont à côté de vous, là. C'est avec eux que vous allez prendre tous les coups ensemble. Mais c'est avec eux que vous allez avoir le succès ensemble. Ceux qui ont cru en moi, aujourd'hui, c'est des champions dans ce business. Regardez ce monsieur-là, Yannick Moropo. Ça, c'est l'un de mes champions. Yannick, ça fait combien de temps qu'on est ensemble déjà? Ça fait 8 ans maintenant. 8 ans maintenant. Yannick Moropo. Mais c'est un grand super cadre d'entreprise. Il est un boss d'entreprise. Et avant, si je ne faisais pas cette activité, j'allais être celui qui allait courir derrière lui pour chercher un petit boulot. Parce qu'il peut trouver des stages pour les gens et tout. Mais aujourd'hui, je suis en griffe son boss. Yes. Grâce à cette opportunité. Mm-hmm. Avec cette opportunité, vous pouvez être le boss de qui vous voulez. Yes. Il suffit juste qu'il vienne vous rejoindre dans votre réseau. Yes. Les gars, ce business est magnifique. Je n'ai pas envie de vous donner trop d'explications. Les deux que vous allez choisir pour vous rejoindre, on va vous donner la technique. C'est pas compliqué, c'est des gens, sérieusement, vous allez tout faire, vous allez vous battre, vous allez faire tous les sacrifices possibles pour qu'eux aussi puissent avoir du succès avec vous. Parce que leur succès va déteindre sur vous votre succès. Lorsque j'ai parlé de ma maman, tout le monde pouvait échouer dans ce business, mais je n'ai jamais laissé ma maman échouer dans ce business. Et donc, comme elle a réussi, et c'est ce qui m'a permis de réussir.
la même chose pour mes frères et sœurs et tous ceux, après, des amis qui m'ont suivi avec, dans cette opportunité-là. Et donc, ce business est réel. Ce business est réel. Juste aller grouiller dès aujourd'hui. Actuellement, nous vivons notre convention internationale. Généralement, en voyageant, on partait soit à Dubaï ou bien en Malaisie pour la faire. Maintenant, comme il y a Covid, nous avons la chance de rester chez nous, mais l'entreprise arrive toujours à créer les moyens pour qu'on reste connecté. Mais soyez sûrs, à partir de l'année prochaine, s'il vous plaît, vaccinez-vous. N'ayez pas peur, moi je me suis vacciné. Les gens qui disent qu'on ne se vaccine pas, en réalité, c'est parce qu'ils ne voyagent pas. Oui, j'ai remarqué ça. Quand je vois des gens qui parlent beaucoup, c'est parce qu'ils voyagent. Quand vous allez commencer à voyager, sûrement vous allez vous vacciner. Et on va partir ensemble. À partir de l'année prochaine, il y a la convention. Ça sera en Malaisie, j'espère qu'on sera ensemble. Vous allez vivre avec nous quelle est cette entreprise-là. Comment est-ce qu'elle est fabuleuse, comment est-ce qu'elle est fantastique, comment est-ce qu'elle change la vie de milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est votre chance. Si on vous a invité à notre convention, en tout cas, ceux qui vous invitent, ils vous aiment beaucoup. Sinon, c'est une convention réservée strictement à des networkers. Mais ils ont ouvert la brèche. Ils se disent, tiens, vous faites déjà partie de la famille. Saisissez cette opportunité. Ne venez pas pleurer, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Ils savent ça déjà. Mais ils ont vu au-delà de cette situation-là, qui vous pouvez être. Et c'est pourquoi je remercie toujours la personne qui m'a présenté cette opportunité. Parce qu'il a vu ce parti de famille 12 ans avant. Même moi, je ne croyais pas. Mais lui, il croyait en moi. C'est ça la force de cette activité. Ces personnes qui vous envoient ici, ils croient déjà en vous. Ils sont sûrs de vous. Ce n'est pas une question d'argent. 500 000 pour avoir un avenir comme ce qu'on est en train de vivre ici, sérieusement, c'est cadeau. Et donc, faites l'effort qu'il faut. Nous, on va juste prier pour vous aider. Par rapport à nos capacités, on va aider comme cette dame. Et déjà, j'espère que cette semaine, on va pouvoir boucler avec et tu vas faire partie de cette belle aventure. Merci pour votre attention. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse.